madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans sa journale en créole mauricien. Nous guettons d'abord Bansit. Premier ministre Pravin Jugnauth fait une rencontre grand matin, directeur Curzon Investments Limited, sa compagnie britannique, là, pour investir 14,4 milliards de roupies dans une smart city dans le bouchon. Leur dossier Chagos, Premier ministre Finn Gay, une rencontre avec Lead Counsel Maurice, Maître Philippe Sands, QC, pour passer en revue progrès qui fin accompli par le gouvernement mauricien. Dans ce dossier-là. Toujours dans l'onde, Premier ministre mauricien salué l'initiative rapide du Royaume-Uni. Enlève Maurice de la liste des bains de pays tiers à haut risque, Royaume-Uni, à partir de novembre 2021. Et DO, l'OMS alarme du rythme bien préoccupant des bains de contamination COVID-19 dans l'Europe. Madame Missé, merci pour vos fidélités. En mission dans Londres, Premier ministre Pravin Jugnauth fait une rencontre grand matin la direction Curzon Investments Limited, sa compagnie britannique là pour investir 14,4 milliards de roupies dans un smart city dans le bouchon. Sa projet là pour générer plus de 5 000 emplois directs pour aussi un hôtel 4 étoiles et ban facilité des ban bureaux. Un reportage signé Kevin Tapissor, Silage Beach Mohan. Un smart city étalé au plus de 150 hectares pour construire à Le Bouchon un projet au coût de 14,4 milliards de roupies qui pour entrepris par Curzon Investments Limited. Sa smart city dans Le Bouchon là pour compte notamment un hôtel de luxe 4 étoiles de 200 chambres, le Raffles Flag, ban bâtiment qui abrite ban bureau, un centre commercial ainsi que ban infrastructure sportive. À Londres, ainsi que des infrastructures sport, Premier ministre Finn Zwan, la direction de Curzon Investments Limited, Pravin Jugnauth il expose sa vision de développement durable à ban investisseur. Curzon Investment est représenté par ce directeur Martin Bridge et ce ban directeur technique. Une rencontre organisée par Economic Development Board. Parmi ceux présents à sa réunion-là, ministre des Finances Ranganathan Padayachi et CEO EDB Ken Punusamy. Sa projet-là pour générer 5 200 emplois et pour développer à travers un partenariat entre SIT Land Holdings Limited et Curzon Investments Limited. Un projet étalé loin une période de 5 ans qui peut démarrer en juin 2022. It is a smart city. C'est un smart city qui trouve dans le sud de l'île Maurice. Nous, en partenariat avec SIT, et quand on a un tel partenaire, il est important pour nous en tant qu'investisseurs internationaux. Il permet de savoir un petit projet là concrétisé. Et nous finissons pense-li en termes de durabilité, en termes de l'emploi local, ainsi qu'il ban l'avantage social. As well as what benefits. Pour Pravin Jugnauth, il s'agit d'un projet de développement inclusif qui peut créer des milliers d'emplois dans le sud et génère un investissement direct étranger. Curzon, qui est une compagnie qui design établir un contact, je design prendre un enseignement avec EDB et que je souhaitais faire un projet de Smart City qui pour une durée de à peu près 5 ans. Et qui amène un investissement de à peu près 14 milliards de roupies et qui peut créer à peu près 5 000 emplois, surtout dans le sud. Donc, l'ITI très important, qui surtout un investisseur quand mon zone zone surtout créer sa confiance là. Et moi, besoin de dire, moi très satisfait aussi quand on écoute zone même zone. Peut démontrer qu'après autre ban constat qu'ils ont dû faire, l'eau qui manière Maurice surtout face à la pandémie, qui manière nous gérer, qui manière nous peut bouger en avant et facilite ban l'investissement. Ils ont été impressionnés d'ailleurs par ban projet d'infrastructure qui nous peut faire, d'ailleurs qui cadrait bien avec sa vision qui nous est là pour nous attirer plus. Investissement étranger. Donc, mon pensée qui est pour positif. Évidemment, nous là pour toujours maintenir le contact pour qu'ils nous veillent à ce qui tout bonne application qu'ils ont fait à travers le Fast Track Committee qui moi-même présidé qui nous fait le suivi nécessaire. Ministre des Finances Ranganathan Padayachi, Finley déclarait qu'il s'agit d'un témoignage de la confiance dans la gestion économique du pays. Sa visite là aujourd'hui, il est très important pour nous. Il montre démontrer
la confiance qui bat l'investisseur, en particulier bat l'investisseur étranger, non, avec nos pays. À travers ce projet-là, ban la route existante dans sa région du Sud-là pour rénover et pour rehausser selon un mécanisme de portage de coûts. Dans Matrix Chambers, dans Londres, hier, Premier ministre Fingay en rencontre avec Lead Council Maurice, leur dossier Chagos, Maître Philippe Sands, QC, en rencontre pour passer en revue ben, le progrès accompli par le gouvernement mauricien, surtout énorme soutien international à la cause mauricienne. Pravin Kumar Jagnauth évoque ce ban différentes rencontres bilatérales dans Glasgow pendant COP26 avec plusieurs chefs d'État et gouvernement à côté les fines aborde la revendication mauricienne pour gagner sa souveraineté lors l'archipel des Chagos. Premier ministre fin aussi révine lors sa rencontre avec secrétaire d'État Commonwealth et ban affaires étrangères Liz Truss ban discussion quitte le contentieux Chagos. Premier ministre mauricien en mission dans Londres a salué l'initiative rapide Royaume-Uni enlève Maurice de la liste des pays tiers à haut risque. Royaume-Uni à partir du 2 novembre 2021. Pravin Jagnauth fin déclaré que sa motion approuvée dans le Parlement britannique les résultats de ce ban rencontre avec Boris Johnson, Premier ministre dans Royaume-Uni. Pravin Jagnauth dit qu'il est confiant que bientôt Maurice pour enlever de la liste noire l'Union européenne. À nous écoute les premiers ministres qui peuvent répondre à Kevin Tapessa. Très bonne nouvelle parce que à Glasgow, mon gars a eu l'occasion de joindre le Premier ministre Boris Johnson, Elisabeth Truss qui en charge des affaires étrangères, Commonwealth et du développement, et bien sûr les autres personnalités. Quand nous avons eu l'occasion, cause le FATF. Et qui manière Maurice est sorti depuis la liste grise. Et par conséquent, évidemment, nous requête à l'Angleterre, c'était aussi pour nous sortir de la liste noire. Bon, bien content que l'Angleterre y nazire très vite, d'ailleurs. Et par un commentaire qu'ils ont fait à moi, j'ai bien apprécié qu'ils nous travaillent dans un temps record pour nous capables de sortir de la liste grise de FATF. Et bien sûr, nous aussi évoquons une collaboration pour l'avenir et surtout l'investissement dans le secteur financier. Donc, c'était une très bonne nouvelle qui tombait aujourd'hui. Et puis, bien sûr, nous pouvons continuer nos démarches avec l'Union européenne, avec qui d'ailleurs nous sommes la présidente de la Commission et qui. Bien sûr, il y a sur moi qui je peux prendre en considération, mais vous connaissez, je tenais une procédure, je tenais une façon pour analyser sa requête-là. Et je suis très confiant qu'au niveau de l'Union européenne aussi, qu'il faut très prochainement nous pouvons capables de sortir de la liste noire. Donc là aussi, nous pouvons être plus devant pour qu'il nous capable d'avoir encore plus de développement au niveau de ce secteur-là. Maurice qui n'est plus fait partie de la liste des pays tiers à haut risque. Royaume-Uni, le blanchiment d'argent et financement terrorisme, sa dénouement-là, l'y intervenir après la sortie Maurice de la liste grise. Gafi, pour ce qui est de la liste noire, l'Union européenne, c'est une question de temps, estime ministre Maen Sirotten. Et ben réaction n'a pas fini tordé. La Banque Maurice et que Mauritius Bankers Association accueille favorablement sa nouvelle qui démontrait que la juridiction mauricienne n'y reste trop transparent, exia, ban détail avec Claudette Geoffroy Gadevadou. Après Brexit, Royaume-Uni fin fait sa propre la liste pour déterminer ban pays à haut risque qui fait ban transaction liée à blanchiment d'argent et financement terrorisme. Maurice tient clair le sol à liste 21 pays là les 26 mars dernier. Mais suivant retrait nous pays, en temps record depuis la liste ban juridiction sous surveillance accrue GAFI le 21 octobre dernier, Parlement britannique fin aussi avalise la décision pour enlève Maurice de la liste. Sa nouvelle-là, selon ministre Maen Sirotten, montrait confiance ban investisseur dans nos secteurs financiers. À cela résiste retrait Maurice depuis la liste noire Union européenne.
C'est une très bonne nouvelle. Ça montrait d'abord la confiance que les autorités britanniques, le gouvernement britannique en a lors la juridiction de Maurice. Pour le secteur financier, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'il nous connaît, hein, quand on a la liste noire d'un pays, ça pose beaucoup de problèmes pour une transaction financière. Ben acteur secteur financier vient réagir après ça l'annonce au gouvernement britannique là, la Banque de Maurice et Mauritius Bankers Association à travers ben communiqué vient exprimer de satisfaction et qu'une réitère de l'engagement pour promouvoir ben meilleure norme internationale et qu'assurer qu'il y a la durabilité et efficacité nos ben système dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Maurice, les pays africains avec le moins de risques corruption, c'est ce qui fait conclure Global Risk Profile dans un rapport publié le 3 novembre dernier. Et à l'échelle mondiale, Maurice fait son entrée dans top 50 qui comprend ban État avec ban bonne note dans la lutte contre la corruption et ban crime économique. Abdel Boulaki donne nous ban détail. Quatrième édition, indice global de corruption qui vient de publier par la société suisse Global Risk Profile, découvert 196 pays et territoires. L'IAPOT est un aperçu général du niveau de corruption et de crimes en col blanc dans le monde. Et l'IAPILI, l'eau 43 variables. Ban premier, l'eau salalisla, c'est ban pays avec le moins de risques de corruption. Et là, le rapport conclut que Maurice fait une progresser contre le fléau en ayant le minimum de risques en Afrique. L'eau plan international, nous pays qui vient de classer 43e, les retrouve dans le top 50 mondial des bains de pays avec le moins de risques de corruption, devançant ainsi la Bulgarie, la Hongrie, la Malaisie et même le Qatar et les Émirats Arabes Unis. La première place occupée par la Finlande, soit le moins de risques de corruption et de crimes en col blanc dans le monde, et dernière place par Corée du Nord. A signaler que ce bain de résultat-là présente le risque d'exposition à la corruption dans le domaine public et privé. L'indice inclut également un enjeu lié au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Et pour la collecte de ces données, l'indice global de corruption FINAPILI loue plusieurs institutions comme le GAFI, l'OCDE, la Banque mondiale, Transparency International et l'Economist Intelligence Unit. Dans Londres, hier, l'Economic Development Board et l'International Trade Center FinSign et l'ACO qui portent la création d'un She Trades Hub dans Maurice, qui est une plateforme pour mieux encadrer les femmes entrepreneurs mauriciennes en termes morcés, exportation, renforcement, capacité ou même résultats. Et dans son allière, au fin capable suivre intervention, épouse Premier ministre Kobita Jocknut à sa l'événement-là en tant qu'ambassadrice de sa prosie-là. Et Zodi à soi dans son al, Kavin Tapessa et Xailesh Bichmohan se propose ou plusieurs réactions lors She Trade Sub qui se fin recueillir dans Hyde Park, là à côté fin faire la signature de sa lettre d'intention-là. Nous guettons. Signature d'accord pour mise sur pied un She Trades Hub fin paraffé par Dorothy Ngambit Tembo, directrice International Trade Center, et Ken Punusami, Chief Executive Officer Economic Development Board. La baronne Sandeep Verma, présidente UN Women UK, fin tenir à féliciter ban autorité mauricienne pour sa initiative là qui pour change la donne pour ban entrepreneur mauricien. Dorothy Ngambit Tembo, directrice International Trade Center, fin quant à lui saluer ban mesures prises par le gouvernement pour soutenir la femme mauricienne dans ben différents secteurs de l'économie. Ministre des Finances Rengana Dempadayati fin énumère ben différents plans de soutien pour ben femmes entrepreneurs dans la République de Maurice et les fin souligner que Maurice peut investir 50 000 livres pour soutenir ben start-up. Plusieurs femmes entrepreneurs fin participent à cet événement-là, notamment ben qui est basée au Royaume-Uni. Très très bonne initiative, jolie parole. Une parole très très forte, mais surtout le réseautage est important. Et moi, une personne qui fait beaucoup de réseautage, je vous partage cette nouvelle-là sur Twitter, auprès de mon réseau, sur LinkedIn, toujours relationnel. Et c'est un mot qui nous passe à travers beaucoup du monde, c'est se connecter. She Trades Hub pour permettre à une femme entrepreneur rentre au marché africain, britannique et européen à travers notamment COMESA, SADC, African Free Trade ou encore UK Economic Partnership. Retour dans Maurice, nous faire le point Stella, au bilan sanitaire. Nous notons un rajeunissement parmi les victimes COVID-19 dans Maurice. Ça, la cause de la propagation variant Delta.
Face à la presse aujourd'hui après-midi, le ministre de la Santé réitère ce appel vis-à-vis la population concernant respect des bannes consignes sanitaires, fin fournir ban détail également lors la catégorisation en trois groupes des bannes patients positifs et asymptomatiques. Suite à ça, type traitement qui peut proposer les déterminer. Nous proposons un extrait de sa conférence de presse là. À ces jours, nous avons 45 patients qui admettent à INT. D'abord, différents la salle, d'abord l'hôpital. Le total, c'est 265 patients en ce moment. Concernant le décès qui, cette semaine-là, nous finissons, concernant le COVID-19, le total, c'est 42 décès. Et là-dedans, c'est 14, c'est moins de 60 ans. 28, c'est plus que 60 ans. Et parmi 20, je ne suis pas vacciné. 22, je suis vacciné. 6 qui n'ont aucune comorbidité et 36 qui n'ont aucune comorbidité. Résultat sequencing, nous faisons gagner ben dernier résultat de 33 tests qui nous faisons faire. Nous avons 25 delta et puis nous avons 8, c'est les B11-318. Passionnel et symptomatique. Il y a un symptôme. Nous classons en trois groupes les symptomatologies respiratoires. Symptomatologie donc léger, modéré, sévère. Quand il est léger, c'est qu'il est malade là, il n'a aucun gène respiratoire, la fréquence respiratoire normale, et ce patient-là, ce groupe de patients-là, nous propose une home isolation, d'accord, également d'être surveillé par le DMU. Deuxième cas de figure, c'est qu'on appelle modéré. Deux paramètres qui nous guettaient, ce niveau d'oxygène dans le sang, s'il y a un problème respiratoire, et ce rythme respiratoire. Donc si il y a en bas 94, de 90 à 94, nous disons modéré. Ce type de patient-là, nous gardons à l'hôpital, au milieu hospitalier, dans le COVID ward. Donc, en COVID ward, il y a trois traitements qui nous aident d'après l'OMS, cortisone, anticoagulant, l'oxygène, et puis toute la panoplie, donc la réhydratation, l'alimentation, tout est là. Et le malade est surveillé. En général, tout passe bien, 90% patients de risque de la case, sans aucune complication. Mais il y a des fois, le niveau d'oxygène commence à baisser. Le patient-là est transféré à INT. Un des molécules qu'il a approuvé, c'est le Fabiflu. C'est une molécule qui a une caractéristique antivirale. Et que, donc, nous suivons cette molécule-là quand un patient a un symptôme qui est mild to moderate, qui fait commencer à gagner un symptôme. L'Organisation mondiale de la santé, nouvelle déo, qui nous peut causer, fin à l'homme de la nouvelle aggravation, la pandémie COVID-19 dans l'Europe. Sa quatrième vague massive, le continent européen, puis arrive surtout dans l'Allemagne, qui fin bâtir ce précédent record contamination quotidienne qui date depuis décembre 2020 avec 33 949 nouveaux cas en 24 heures. Retour dans Maurice Astella, français, Alexandre Join, joint plutôt du Faucon Flac Sports Club, remporte cinquième étape Nupekos Tour de l'île cycliste et deuxième à 33 secondes du vainqueur Christophe Lagan, consolide sa place leader Tour. Nous gagnons un détail avec Joseph Chen. Cinquième et qu'avant-dernière étape Tour de l'île, ce vendredi-là, c'est français Alexandre Join qui finit gagner, qui finit passer la ligne d'arrivée en vainqueur à Grand Bassin. Une grande satisfaction personnelle parce que voilà, j'étais venu pour vraiment chercher une victoire d'étape et si c'était possible donc sur celle-ci même parce que je connaissais, je savais que c'était une belle étape avec des belles ascensions qui pouvaient me convenir. Donc voilà, j'ai tenté ma chance de loin, ça l'a fait. Qu'est-ce que je peux dire? Journée magnifique, non? Il dévance maillot jaune, Christophe Lagan qui finit 33 secondes derrière, mais Christophe Lagan qui conserve son maillot jaune et qui consolide sa place lead. Je savais que ça va être une journée difficile, on a mis l'équipe à contrôler, ils ont fait un gros travail, j'ai envie de dire un grand merci. C'est dommage de passer près de la victoire, mais en même temps je suis bien satisfait de garder mon maillot jaune et donc d'agrandir encore mon avance. Demain c'est une petite étape de 55 km, il va falloir quand même contrôler et on a fait le plus difficile, et donc bien content de remporter le tour. Sauf accident majeur donc, Christophe Lagan, l'hypou vainqueur Tour de Maurice 2021. Dernière étape pour une allure ce samedi-là, circuit Sorèze, départ qui prévoit un hiver et demi.
Mon commentaire Rajiv Gunput, nouvelle étant Stella, divan des mers, les îles en nous région, prévision pour faire beau temps l'eau, l'ensemble de l'île, à soir malgré un pays ondé, averse l'eau, les noms, et terrain élevé, demain grand matin, température minimale, prévoyant 17 et 19 degrés l'eau plateau central, et quand 20 et 22 degrés l'eau région la côte, beau temps en général en cours la journée, les ciels pour temporairement nuageux dans l'après-midi, l'eau nord-ouest, plateau central, accompagné un pays d'appli. Température maximale voyée en 26 et 28 degrés l'eau hauteur et quand 30 et 32 degrés l'eau littorale. Divan lésé et voyable à soir, l'IP soufflé sud-est à environ 15 km par heure demain. La mer pour hésiter au-delà de ban récif avec ban vague, l'eau de 1,50 m. Et vous avez connu qu'il y a une basse pression qui peut trouver environ 630 km au nord-est de Maurice, qui peut maintenir ce déplacement vers l'ouest. Marée pour haute demain 1h30 et 13h11. Marée pour basse 19h22 et demain 7h21. Soleil pour lever demain 5h25. Coucher soleil demain 18h22. Madame, monsieur, sa zone à l'encréole mauricien finit ici. Merci pour l'attention. Passez une bonne soirée. Au revoir.